Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH UNL. Good afternoon. Welcome to the conference of Professor Philippe Dubois. Philippe Dubois est directeur is director of the Master of Cinema and Audiovisual in Sorbonne 3 in Paris. He's director of the collection Art in Cinema of Vogue University of Bruxelles in Paris. Is co-responsible with of the CRECI, Centre de Recherche, Centre de Recherche en Esthétique et Cinéma des Images. Il est commissaire des expositions sur le cinéma, sur, between among which le cinéma, exposing a film, etc. And is also member of the Institut Universitaire de France. Philippe Dubois is known among us in Portugal mainly because of his book on photography, which is called L'acte photographique, qui est traduit en, which is translated in different languages. But it is also author of different works on cinema, Godard, Vidéo, cinéma, la question vidéo entre cinéma et art contemporain, cinéma et dernière technologie, et recherche sur Chris Marker, which is an organization of the collection Theorem in 2002. Today, the Theorem edition is here, which is very connected with the theme of today. Which is le cinématogramme de la conscience, which is mainly about La Jetée, de Chris Marker. Thank you for coming to Universidad Nova, and I desire you a very good conference. Thank you. Je vais parler en français. J'espère que vous allez pouvoir suivre l'exposé. Je vais parler pas trop vite, mais si je veux rester dans le temps, je vais quand même devoir ne pas être trop lent non plus. Donc s'il y a des problèmes de compréhension, vous faites un petit signe, je peux essayer de réexpliquer sans perdre trop de temps les choses. Ça va, vous comprenez? C'est bon? Ah, c'est bien. Au Portugal, tout le monde comprend le français, c'est formidable. Bon. Donc le titre de mon intervention... qui va rejoindre le numéro de théorème, c'est le cinématogramme de la conscience. Alors, avant de rentrer dans mon sujet, je voudrais vous proposer deux citations. La première, très courte, du philosophe contemporain. Si ça veut bien suivre. Ah non. Du philosophe contemporain et théoricien de l'art Jean-Louis Schaeffer, dans cette phrase, inspirée par la pensée de Jean Epstein. Je cite, « Le cinéma est le seul art où le temps m'est donné comme une perception. » Et la seconde citation, plus longue, du philosophe et phénoménologue Henri Bergson, dans laquelle celui-ci s'interroge, comme toujours, sur le temps et le mouvement, l'instant et la durée, sur le présent et le passé, sur la mémoire et sa réactivation, et finalement sur la conscience et sur le rapport qu'elle engage dans la perception mentale entre la vie et la mort. On aura l'occasion de voir, par la suite, que Bergson, dans ce texte de 1911, ne fait pas autre chose que s'interroger aussi sur le cinéma et la photographie dans leur nœud philosophique, et que ce nœud fait lui-même tout l'enjeu du film de Marker, La Jetée. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire cette citation longue. Je vous la lis. « Qu'est-ce au juste que le présent ? S'il s'agit de l'instant actuel, je veux dire d'un instant mathématique, qui serait au temps ce que le point est à la ligne, il est clair qu'un pareil instant est une pure abstraction, une vue de l'esprit. Il ne saurait avoir d'existence,
réel. Jamais avec de pareils instants, vous ne feriez du temps. Deux points mathématiques qui se touchent, se confondent, mais ne font pas une ligne. Notre conscience nous dit que lorsque nous parlons de notre présent, c'est à un certain intervalle de durée que nous pensons. Quelle durée ? Impossible de la fixer exactement. C'est quelque chose d'assez flottant qui peut se raccourcir ou s'allonger selon l'attention qu'on lui porte. Il y a quelques lignes que je saute. Allons plus loin, dit Bergson. Une attention qui serait infiniment extensible tiendrait sous son regard, en un présent continu, une portion aussi grande qu'on voudra de durée, y inclut donc ce qu'on appelle notre passé. Une attention à la vie qui serait suffisamment puissante et suffisamment dégagée de tout intérêt pratique embrasserait ainsi dans un présent indivisé l'histoire passée tout entière de la personne consciente. Non pas comme de l'instantané, non pas comme un ensemble de parties simultanées, mais comme du continuellement mouvant. Et ce n'est pas là qu'une hypothèse, dit Bergson. Il arrive, dans des cas exceptionnels, que l'attention renonce tout à coup à l'intérêt qu'elle prenait à la vie. Aussitôt, comme par enchantement, le passé redevient présent chez des personnes qui voient surgir devant elles, à l'improviste, la menace d'une mort soudaine. Chez l'alpiniste qui glisse au fond d'un précipice, chez des noyés et chez des pendus, il semble qu'une conversion brusque de l'attention puisse se produire. Quelque chose comme un changement d'orientation de la conscience, qui jusqu'alors tournée vers l'avenir et absorbée par les nécessités de l'action, subitement s'en désintéresse. Cela suffit pour que mille et mille détails oubliés soient remémorés, pour que l'histoire entière de la personne se déroule devant elle en un mouvant panorama. Voilà, c'est un extrait d'une conférence qu'il a prononcée en 1911 dans un texte intitulé « La perception du changement ». Autrement dit, dans le texte de Bergson, on arrive bien à cette idée d'un présent mais qui dure, d'un temps intensif où le clivage entre le passé et le présent disparaît au profit d'un défilement intérieur qui actualise la totalité de la vie dans l'instant de la mort. Une pure substance de temps dans la conscience d'un sujet qu'on pourrait appeler la mémoire instantanée d'un temps total. Quelque chose, en somme, qui serait comme le rêve d'un film qui, à l'instant de la mort, se tiendrait tout entier dans une photographie. Ce rêve existe, un film tout à la fois en raconte l'histoire et en incarne formellement le dispositif, c'est la jetée. La jetée est donc ce film vertige du temps qui raconte toute la vie d'un homme en la condensant dans un instant image paradoxale et qui utilise pour cela un dispositif particulier combinant photographie et cinéma de manière tout à fait remarquable. Je propose de qualifier ce dispositif singulier du terme de cinématogramme. Le cinématogramme, on va le détailler dans tout ce qui suit, c'est le contraire du photogramme. C'est un instant qui dure, c'est une photo faite film, c'est une pensée faite image, c'est une image de la conscience transformée en une perception. En ce sens, la jetée, pour moi, fonctionne à la fois comme un acte théorique, une sorte de fine pensée articulant des modèles conceptuels complexes, du temps, de l'espace, de la représentation, de la perception, de la conscience, de la vie psychique, mais en même temps, c'est une pure œuvre, intensive, irréductible, non une illustration d'un enjeu conceptuel, mais une création d'une force vive encore aujourd'hui irrésistible, sans équivalent, et qui finit par emporter toute théorie. C'est à ce double titre qu'elle m'intéresse et me fascine. La jetée est le seul de mes films dont j'ai plaisir à apprendre la projection, aime à répéter Chris Marker. On connaît la forme de base du dispositif. Il s'agit en effet, entièrement, mais à une brève exception près, d'un film d'image fixe. Il y en a eu plusieurs,
à cette époque, c'est-à-dire au début des années 60. Varda, Marker, Lifshitz ont fait des films d'image fixe, donnant à voir une représentation, certes filmée, mais sur base d'images arrêtées, où donc la dimension photographique apparaît dominante. Techniquement, La Jetée est un film obtenu par le refilmage au banc titre et par la sonorisation de tirages photographiques préalables, de format 13-18. Le tournage du film, avec les acteurs, le décor, etc., a donc été réalisé, pour l'essentiel, par une prise de vue photographique. Et c'est seulement après coup, lors du travail en laboratoire, que le filmage avec une caméra de cinéma à partir des photos d'origine a été effectué selon cette technique du banc titre. La Jetée est ainsi non pas une prise de vue directe, mais une reprise d'image, un refilmage cinématographique de photographie, une image d'image. D'autre part, cette question photographique de La Jetée est aussi descriptible en termes non pas de processus de fabrication, mais en termes d'effets visuels. C'est dans cette perspective qu'on a pu parler du film en disant qu'il procédait d'une esthétique, je cite Roger Audin, de l'arrêt sur image généralisée. En ce sens, on peut donc parler de La Jetée comme d'un film non pas de photographie, mais de photogramme. Un film photogrammatique, comme il a été dit plusieurs fois. Photographie ou cinéma, photographie ou photogramme, sans doute peut-on considérer que conformément à sa stratégie permanente de brouillage des pistes et de refus des cloisonnements, Chris Marker a joué d'emblée et délibérément sur un double support, tournant à la fois en photo et en film 16 mm, et sur les deux effets, photographiques d'un côté et photogrammatiques de l'autre, faisant émerger ainsi ce concept hybride qui n'est ni de l'ordre de la photographie ni de l'ordre du photogramme, mais donc de ce que j'appelle le cinématogramme comme entre deux. Le film, on le sait, s'organise autour d'une double scène présentée dans le prologue et dans l'épilogue, en reprise l'une de l'autre. Une double scène de mort sur La Jetée, mais traitée selon deux points de vue différents. Dans La Jetée, on ne meurt pas qu'une fois. Scène 1, du point de vue de l'enfance, scène 2, du point de vue de l'adulte que cet enfant est devenu. Vous connaissez tous ces cartons. Je suppose que vous avez tous vu le film, parce que sinon, ça va être difficile pour vous de suivre. Mais donc, je vous donne ces quelques images de rappel. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Premier carton. Et deuxième carton, la scène. Donc l'image est déjà une scène, j'y reviendrai. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Alors, scène de La Jetée, première fois dans le prologue, le point de vue de l'enfance. Dans le film, les 14 images, je préfère parler en termes d'images plutôt qu'en termes de photographie ou en termes de plans. Les 14 images que compte le prologue déplient en un enchaînement très organisé l'histoire de cette fameuse scène qui le troubla par sa violence. C'est-à-dire de cette image d'enfance. C'est une sorte de dispositif théâtral du dimanche. Vous savez que le dimanche, pour Marker, c'est assez important. Il a fait un film qui s'appelle « Dimanche à Pékin » et c'est le dimanche qu'on va sur la jetée d'Orly voir le départ des avions. Le dimanche. Donc c'est une sorte de dispositif théâtral du dimanche, organisé pour et autour de l'acte de voir, où la jetée fait office de présentoir pour le regard. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. L'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée, etc. Théâtre optique, théâtre de la mémoire, en une seule opération. La promenade, le balcon, la foule, la place assignée à l'observation du spectacle, la balustrade, la rampe, le décor, les tours métalliques,
la lumière, le soleil fixe, les bruits et les voix, le rituel familial vécu comme souvenir d'enfance. Voir et revoir. Incontestablement, on est au cinéma. Au premier rang, à la séance du dimanche, celle où les parents emmènent leurs enfants. En tant que machine scopique, la jetée pose d'emblée la double question essentielle du film. Qui voit, la place du sujet, et que voir, la place de l'objet. Question de point de vue, lui-même dédoublé par la mise en souvenir de la scène, point de vue life, celui de l'enfant à ce moment du passé, et point de vue différé, celui de l'homme qui se souvient qu'il voyait et revoit dans sa mémoire l'image de son acte de vision. Et question aussi de point de fuite, voir quelque chose, ce qu'il y a là-bas, au fond, au bout du trajet du regard, au point de buter, là vers quoi tout tend et où tout finit par disparaître, fuite du temps autant que d'espace. Point de vue et point de fuite, les deux bouts d'une jetée, finalement allégorique, métaphore du dispositif cinématographique théâtralisant l'opération du regard, dont elle figure dynamiquement le mouvement. Je vous remonte quelques images de ce prologue, pas les 14 parce que c'est trop long. L'enfant, le dimanche. Et au bout de la jetée. Commençons par l'objet du regard. Sur la jetée, quoi voir ? Les avions ? Simple toile de fond. Encore que, on va y revenir, ils ont un rôle fondamental. Le lieu ? Simple support de l'acte même de regard. Le centre optique affiché de ce dispositif, ce qui fait de la scène une image focalisée, c'est bien sûr le visage. Un visage de femme au bout de la jetée. Voilà, du moins en première approche, l'icône, le point d'accrochage. Dans la suite des plans du film, l'image d'enfance, c'est d'abord cela, ce gros plan photographique et photogénique du visage d'Hélène Châtelain. Dans un léger trois quarts, la tête penchée, les cheveux volant au vent, les doigts de la main droite croisés et posés délicatement sur les lèvres closes, le regard pensif, le sourire flottant, auréolé de lumière devant l'horizon. Une image douce, circulaire, tout en volute, qui est en contraste total visuellement avec le reste de la séquence, en particulier avec les formes liées au lieu. Sur la jetée, tout est géométrique, linéaire, vertical, horizontal. Balustrade, tour mécanique, tour métallique, carreau du sol, etc. En termes de durée, ce gros plan, le seul des 14 images du prologue, est de très loin celui qui reste le plus longtemps visible sur l'écran de projection. On a tout le temps de le contempler, de s'abîmer dans son immobilité photographique. Voilà le foyer, le cœur, le nœud du prologue. Inutile de rappeler la fascination générale et absolue de Marker pour le visage féminin. C'est omniprésent depuis au moins l'album Korean et ses superbes photos de visage jusqu'à In Memory, dans ce qui est peut-être la plus belle séquence de cette œuvre sur CD-ROM, la séquence sur le visage de Simone Genevoix dans le film de Marc de Gastine, La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc, film de 1928. Marker nous offre un autre souvenir d'enfance, la sienne cette fois, et qui fonctionne comme une clé autobiographique de ce qui fait le cœur de la jetée. Sur le gros plan du visage de Simone Genevoix, on peut lire le texte suivant qui prend tout son sens par rapport à la jetée. C'est cette image, il s'agit de Simone Genevoix, donc dans un film de 1928, un gros plan. C'est cette image qui a pris à un enfant de 7 ans comment un visage emplissant l'écran était d'un coup la chose la plus précieuse au monde, quelque chose qui revenait sans cesse et qui se mêlait à tous les instants de la vie, dont se dire le nom et se décrire les traits devenait la plus nécessaire et la plus délicieuse occupation. En un mot, ce que c'était que l'amour. Le déchiffrement de ces symptômes bizarres vint plus tard, en même temps que la découverte du cinéma.
si bien que pour cet enfant devenu grand, le cinéma et la femme sont restés deux notions absolument inséparables et qu'un film sans femme lui est toujours aussi incompréhensible qu'un opéra sans musique. Donc, la fameuse image d'enfance semble bien être celle frontale d'un visage de femme au bout de la jetée. Toutefois, les choses se compliquent immédiatement et ouvrent à une béance dans laquelle tout le film va s'engouffrer. D'abord, ce visage-image est d'emblée frappé d'incertitude, comme un voile qui menace de le recouvrir par la distanciation qu'implique la situation narrative de remémoration. Il ne nous est pas donné directement, mais dédoublé par le point de vue rétrospectif. Ce visage n'est image qu'en tant que souvenir. À ce titre, quelle valeur de réalité convient-il de lui accorder? Je cite le texte, ce visage, de la voix off de la jetée, « Ce visage, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il l'avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Visage vu ou visage rêvé, visage flottant, pris entre deux temps, celui passé du souvenir et celui inventé d'un après-coup de l'avenir. C'est là que le brouillard s'introduit et vient finalement estomper la vision. Le dernier plan du prologue donne à voir une image floue, un avion sur la piste, totalement travaillé par un effet de filet qui fait trembler la figuration, brouillée par la peur. La peur. Quelle violence, quelle peur. Voilà la nouvelle donnée. Qu'un autre événement s'est introduit dans l'action de la scène sur la jetée, qui vient comme dédoubler son objet en créant un second centre d'intérêt d'un tout autre ordre qui va fonctionner comme l'autre face de ce visage-image, comme son vis-à-vis. C'est un événement d'image dont l'indice est introduit par rebond, puisqu'on le perçoit, on le devine plutôt, à partir du regard de la femme. C'est un événement qui, ici, dans cette première version offerte en prologue, on va voir qu'il en va tout autrement dans l'épilogue à la fin, reste relativement discret, passe en tout cas après l'affichage de la fixation sur le visage de la femme, mais s'inscrit tout de même à l'avant-plan. Cet événement, bien sûr, c'est celui du plan 11, celui brouillé, en effet, de la chute d'un corps non identifié, à l'avant-plan gauche de l'image, sous les yeux de la femme. Elle reste dans le champ, à l'arrière-plan, mais nette, le point est fait sur elle, le corps qui tombe en bord de cadre à l'avant-plan est flou. C'est sur son visage, surligné par ses mains qu'elle a portées à ses joues, qu'on peut lire l'effroi. Le drame, incompréhensible, se joue à l'envers. Il est comme réfléchi en miroir dans son regard et son attitude à elle, mais drame il y a et il y a eu, sans qu'on en sache plus à ce stade. Drôle de drame et intrigante chute. D'ailleurs, est-ce bien une chute? Cela pourrait être un mouvement désordonné du corps, comme dans une course effrénée, ou une contorsion, un déséquilibre ou autre chose. On sait seulement que quelque chose a eu lieu, qui concerne un corps autre dont on ne sait rien. Il y a seulement la singulière cassure de ce corps inconnu, et, comme le dit la voix off, un effet de bascule indéterminé. Comparativement au visage féminin qui fait le centre focalisé de toute cette scène, ce singulier plan de chute ne donne à voir qu'un fragment de corps photographié à hauteur des jambes. On ne voit ni la tête, ni le tronc, ni les bras, seulement le bas du corps et le bout de la main droite. Un corps sans visage, donc, vu de dos, en un plan bref, aucune contemplation possible, unique, on ne le voit qu'une fois, et tout en décadrage. Il semble littéralement basculer hors du cadre. Son mouvement intérieur, comme un pantin, la pliure de son corps désarticulé, reste énigmatique et contraste avec tous les plans calmes, composés, sereins qui ont précédé, du moins jusqu'au gros plan du visage. Quelque chose d'intensif s'est joué là, qui nous échappe pour une bonne part, mais qui, à coup sûr, surgit soudainement avec violence et vient briser la beauté et la douceur du visage icône exposé. Un clivage vient donc frapper cette scène originaire, comme une effraction. Entre le visage de la femme et le corps qui tombe, quelle est donc finalement l'image d'enfance?
De quel côté de la scène, de l'image et de l'histoire celle-ci se situe-t-elle? Il n'est plus sûr que ce soit en face. C'est peut-être bien de ce côté-ci. Ou, sans doute, tout se joue-t-il dans le mouvement qui va de l'un à l'autre. Il faudra attendre la fin de tout ce prologue pour que la voix off omnisciente, relançant le dispositif temporel de l'après-coup, nous dise, plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Plus tard, il comprit. C'est justement à ce mécanisme, ou plutôt à ce théorème de Marker, de la mise à distance et de la compréhension reportée, mais traité ici sur un mode narratif, celui de la réincarnation dans le passé, que nous renvoie la fin du film, son épilogue, qui reprend exactement la même scène, mais en déplace et l'objet et le point de vue. Reprise, revision. On pourrait dire que c'est entre ces deux versions de la même scène qu'il y a finalement bascule. La deuxième scène de ou sur la jetée, qui littéralement boucle le film, est beaucoup plus longue que la première et construite tout à fait différemment. Composée de 35 images, elle nous donne à voir et à comprendre diégétiquement et rétroactivement la situation du prologue. Le basculement tient tout entier dans le déplacement du point de vue. Dans le prologue, la scène était vue du point de vue de l'enfant. Le sens des événements lui échappait. Seule fonctionnait la fixation sur le visage de femme et secondairement, comme un filtre interposé dans sa vision, l'intrigante chute floue d'un corps d'homme. Dans l'épilogue, la même scène est revue, mais du point de vue de l'homme que cet enfant est en fait devenu, au terme d'une histoire de voyage dans le temps qui autorise la coprésence paradoxale du même sujet dédoublé avec lui-même. Ce qui n'était qu'un événement énigmatique et encore anonyme au début, est maintenant devenu le sujet même de l'histoire et le sujet de la narration. C'est-à-dire que nous basculons dans l'intériorité subjective de l'objet originaire et de l'énigme inaugurale. Nous sommes désormais dedans, à l'intérieur du sujet. Avec le film, nous sommes entrés dans la conscience de ce sujet. L'enfant dont nous racontons l'histoire est devenu l'homme dont nous suivons la course folle. Se retrouver avec lui comme sujet sur la jetée et assister une deuxième fois à l'événement, c'est être au même endroit et au même moment, mais de l'autre côté, du dedans de sa conscience, en prenant les choses par l'autre bout de la jetée. C'est se retrouver à côté de lui-même comme on se retrouve à l'intérieur de soi-même. Il pensa, avec un peu de vertige, que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi, à regarder les avions. Basculement du point de vue, de l'enfant à l'adulte, glissement de statut, d'objet au sujet, mais à l'intérieur du même. Revivre l'événement, non plus par rebond dans les yeux de la femme, mais cette fois du point de vue même de la chute comme conscience, du dedans de la faille qui clive le dispositif, de l'antre qui s'ouvre entre l'image et son double. Les images elles-mêmes du film, dans cet épilogue, traduisent ce glissement de multiples façons. Lors du prologue, le point de vue dominant en termes optiques était fondé sur l'image générique, le plan de situation, celle d'une jetée vue d'en haut, à partir d'une caméra située sur une des tours métalliques qui borde la terrasse d'Orly, à grande distance donc, avec un angle en plongée qui installait l'espace comme une objectivation, vue du dehors, de loin et d'en haut. Le point de vue de l'enfant, c'est cela, une distance de temps. Dans l'épilogue, au contraire de ce point de vue initial presque aérien, toutes les images ont été prises au sol, du moins depuis la jetée elle-même, depuis la promenade où vont et viennent les visiteurs et aussi le héros du film. Ce point de vue terrestre, on est parmi les hommes, est souligné par la progression même de la séquence et surtout par le fait qu'on s'installe entièrement dans le mouvement qui l'accompagne. Alors que l'enfant du début semblait installé à une place fixe, on ne le voyait pas vraiment, seul un plan montrait des jambes et des jambes de garçonnet posées sur un bas de balustrade, dans la séquence de fin beaucoup plus étirée, on suit tout du long, avec une insistance considérable, le trajet parcouru par le personnage.
sa course d'un bout à l'autre de la jetée, dans la foule des visiteurs, à travers celle-ci, est décomposée en de très nombreux plans figés, avec des effets d'obstacles, d'accélération, de ralentissement, de reprise produits par le montage. On accompagne complètement la trajectoire effrénée et vitale du héros courant vers son destin, vers son image mentale. Si le visage de femme est toujours là, il ponctue à plusieurs reprises le montage rapide des plans de l'homme qui court, il fonctionne moins comme point de mire que comme ponctuation. Dans l'ensemble de la scène, c'est la course traversée qui domine, sa durée, sa vitesse, chose tout à fait absente du prologue qui était vissée au point de vue de l'enfant et focalisée sur le seul visage féminin. Cette fois, tout est affaire de mouvement, un mouvement vécu comme un point de vue, un mouvement de conscience. Petite citation de Deleuze au titre de rappel, on dira du plan, dit Deleuze, qu'il agit comme une conscience. Et cette course vers le visage, arrivée à son terme, va rencontrer en fait un autre visage que celui attendu et espéré. Un visage totalement absent du prologue, c'est lui, le point de vue extérieur, l'incarnation du dehors, qui a suivi de loin et d'en haut le trajet du héros, le visage opaque et menaçant d'un homme à lunettes, armé d'une curieuse arme qu'il tient au creux de ses mains, jointes comme dans une prière. L'homme qui l'avait suivi depuis le camp souterrain mettra un terme brutal à son mouvement, à l'instant même où il allait atteindre l'objet de son désir. Vous avez ici la comparaison entre la scène du prologue et la scène de l'épilogue. Justement, du point de vue de l'homme qui court. Sa chute, parfaitement exposée, s'avère cette fois le point culminant, le vrai centre de cette deuxième version de la scène. Ce n'est plus un avant-plan flou et décadré, mais l'événement focal et ultime de l'histoire de la jetée. Sous l'effet d'un tir dans le dos, le héros s'effondre majestueusement. Il s'effondre dans une image figée, certes, mais démultipliée, car le mouvement de la chute s'étire sur trois images. Trois plans dans le film et dans le livre La Jetée, trois photos également, mais avec un montage différent entre le livre et le film. Je passe. Cette triple image du corps tombant est très différente de l'image unique du plan 11 dans le prologue. Ici, le point est fait sur ce corps renversé et centré. C'est la femme décadrée dans l'arrière-plan droit qui est floue et réduite à une silhouette en contre-jour. L'image est très composée, entièrement architecturée par le geste ample, quasi expressionniste du héros, le bras gauche levé, ouvert, dressé et saisi en pleine retombée, les doigts de la main écartés, se découpant sur fond de ciel tourmenté et nuageux, la veste tombant des épaules, le corps entièrement replié en arrière, le visage renversé violemment, menton pointé vers le ciel. Cette gestualité, exacerbée par le figement photographique, s'expose donc en trois temps successifs qui diffèrent légèrement les uns des autres en termes de mouvement et de cadrage. Je vous montre les trois images. Ça, c'est l'image 1, l'image 2, l'image 3. 1, 2 et 3. Voici toutes les trois alignées. D'une part, le geste ample de l'homme s'écroulant est dans une discrète progression, son bras gauche étendu en l'air retombe légèrement un peu plus à chaque image, ce qui génère une très curieuse impression de vibration saccadée, comme une sorte de ralenti chronophotographique du geste et de la chute. Les trois phases évoquant ainsi une image de décomposition du mouvement à la Muybridge. Et d'autre part, le cadre s'élargit chaque fois un peu plus, comme dans un effet de travelling arrière. Saccade d'autant plus nette que le montage est rapide. Si bien que dans la troisième image de cette démultiplication gestuelle, celle-là, la plus large, on voit tout à la fois l'homme qui s'écroule, exactement au centre, la femme effrayée au fond à droite, réduite à une petite ombre, et le tireur en amorce du cadre à l'avant-plan gauche, tous trois alignés dans le même axe oblique. La ligne de la course du héros, du tir mortel dans le dos et du regard féminin retourné est strictement la même. L'homme est suspendu, littéralement épinglé, au milieu de cette ligne.
il est exactement sur le fil, figé et décomposé dans sa chute, entre la mort qui le frappe dans le dos et le désir qui l'attire devant lui. Suspendu entre homme et femme, entre vie et mort, entre ciel et terre, entre deux points de vue, entre deux versions d'un même événement, entre passé représentifié et présent déjà vécu, entre enfance et âge adulte, entre objectivité et subjectivité, entre mouvement et immobilité, il est dans le battement du temps. Dans cette image de chute en bout de course et bout de film, le décor prend aussi toute son importance. En particulier le ciel, très contrasté, orageux, assombri, qui s'oppose au soleil fixe du début. Il n'y a pas que le ciel, d'ailleurs, qui a brutalement changé. Le sol même de la jetée est devenu totalement mouillé et brillant, comme après une bonne averse. Ce qui ne manque pas de faire rupture avec toutes les autres images de cette même jetée, celle du début, bien sûr, mais aussi, et plus curieusement, celle de la course de l'homme dans, dans les images qui précèdent immédiatement, où le ciel était clair et lumineux et le sol sec. Assurément, quelque chose de soudain et intensif, sinon de l'apocalypse, du moins de la chute d'Icare, le soleil fixé qui a précédé la chute, résonne dans ces trois plans dramatisants de l'effondrement mortel d'un homme qui a cru pouvoir s'évader du temps. Posture en aile déployée du héros, déclinée en petite variation chronophotographique du geste, comme un tremblement du désespoir. Posture emblématique qui vient signer une trajectoire. Ici, devant ce corps qui bascule, ce geste décomposé, presque au ralenti et comme en travelling arrière sur fond de ciel turnérien, et dans ce lieu d'échappée qu'est l'aéroport, comment ne pas y voir l'emblème d'un envol brisé, comme un oiseau, un homme-oiseau que son désir et sa mémoire projetaient dans l'espace et dans le temps, qu'on abat au moment même où il ouvre les ailes. La figure de l'oiseau est importante dans la jetée, et aussi, d'une façon plus générale, dans l'univers entier de Marker, dont le bestiaire est très singulier. Tout le monde connaît la chouette de Marker, mais aussi, dans tous ses films, le merle par ici, les meulas, on pourrait dresser une liste ornithologique des oiseaux dans le cinéma de Chris Marker. Mais dans la jetée, cette figure de l'oiseau traverse de part en part le film, tantôt sur le mode explicite du motif, tantôt sous une forme plus inattendue, une sous-image, comme une sorte de filigrane plus ou moins insistant, on va y revenir, dessinant une cartographie cryptée et transversale, révélatrice d'une dimension essentielle du cinéma de Chris Marker, la confiance à faire aux images et à leur capacité propre de produire quelque chose, produire de l'émotion, produire de la pensée, produire de la mémoire. D'un côté, en effet, cette figure icarienne s'expose explicitement comme terme et sous forme d'un motif bien visible. C'est le cas à au moins deux reprises dans le film. D'abord, lors des premières résurgences mnésiques, des images commencent à sourdre comme des aveux, de vrais enfants, de vrais oiseaux. On voit sur ces derniers mots une image de pigeon en plein vol qui décolle devant l'Opéra Garnier de Paris. Ensuite, bien sûr, tout au long de la magnifique séquence du Muséum d'Histoire Naturelle, où l'on suit les protagonistes dans leur exploration amoureuse du lieu, fascinés par des milliers d'animaux empaillés qui les entourent de toutes parts, et dont la dernière zone est celle réservée aux oiseaux. Les plans sont nombreux, les oiseaux innombrables, rangés dans leurs vitrines ou présentés dans des poses spectaculaires et pris sous tous les angles, comme si la caméra se prenait elle-même au jeu de la fascination avicole. Il y a là, à la fin de cette séquence des oiseaux du muséum, une suite d'images particulières, prises d'en haut, depuis les galeries supérieures qui dominent le musée, avec les protagonistes en contrebas qui marchent au sol et dans le champ, s'interposant à l'avant-plan, toujours cette figure d'interposition dans les plans, de grands oiseaux aux ailes ouvertes. L'une d'entre elles, dont la force visuelle impressionne, donne à voir les deux amoureux en vue quasi verticale, comme pris sous l'aile gigantesque et ouverte d'un oiseau de grande envergure qui les surplombe. Une fois ici et une fois là.
De cet oiseau qui fait quasiment totem en déployant ses ailes dans toute la largeur du cadre, au corps qui s'effondre en écartant les bras en plein ciel, il y a, à mes yeux, une évidente correspondance visuelle. Une sorte de rime autant plastique que symbolique. Le graphisme amplifié sur fond de ciel tourmenté, offert par la figure du bras écarté dans l'instant démultiplié de la mort suspendue du héros, et l'inscription figée surplombant les amants au sol de la grande aile déployée par l'oiseau naturalisé, ces deux signatures gestuelles qui occupent tout l'espace du cadre se font écho dans le film, c'est-à-dire littéralement dans le temps de la mémoire, mettant en connexion, donc soulignant le lien métaphorique entre le lieu muséal et la jetée. D'autres images se présentent, se mêlent dans un musée qui est peut-être celui de sa mémoire. Le muséum et la jetée, deux espaces de mémoire, certes, et aussi deux théâtres du regard, deux lieux d'envolée dans la mémoire. La tension qui les anime, c'est justement celle-là, celle qui pousse à échapper à la dimension de mort de ces lieux. C'était déjà toute la problématique du film « Les statues meurent aussi ». Un objet, citation de ce film, dont Marker a écrit le dialogue et que René a filmé, un objet est mort quand le regard qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée. Fin de citation. Tout le film de Marker est plein de signes mortifères. Figés, pétrifiés, omniprésence des statues, des signes dans les pierres, de la fameuse coupe de séquoia, etc. Les animaux empaillés du muséum en font partie. Et même, d'une certaine façon, le choix d'un film fait non de plan, mais d'image fixe, participe de ce projet. Mais il ne faut pas se laisser abuser par cette immobilité apparente, par cet effet photo. Au contraire, justement. Il faut savoir y lire la vibration intérieure, souterraine, qui traverse tout le film et qui fait que c'est un film, justement. Celui-ci lutte tout du long pour sa survie, laissant transparaître la puissance du mouvant, du vivant, du désirant, jusque dans ses formes mêmes. Les battements sont en filigrane, comme ici, avec cette correspondance visuelle forte entre la chute du héros et les ailes ouvertes des oiseaux du muséum. Car c'est bien souvent, en effet, le regard qui fonde la dynamique, donne la valeur aux choses, les agite comme un battement d'ailes dans la durée intérieure de ce qui n'est pas un photogramme, mais un cinématogramme. Sans soleil, qu'on peut voir presque comme le métafilm de la jetée, le disait déjà à plus d'une reprise. Je vous cite une phrase de Sans soleil. « Je vous écris tout ça d'un autre monde, un monde d'apparence. D'une certaine façon, les deux mondes communiquent. La mémoire est pour l'un ce que l'histoire est pour l'autre, une impossibilité. Les légendes naissent du besoin de déchiffrer l'indéchiffrable. Les mémoires doivent se contenter de leur délire, de leur dérive. Un instant arrêté grillerait comme l'image d'un film bloqué devant la fournaise du projecteur. La folie protège comme la fièvre. J'envie Ayayo et sa zone. Il joue avec les signes de sa mémoire. Il les épingle et les décore comme des insectes qui se seraient envolés du temps et qu'il pourrait contempler d'un point situé à l'extérieur du temps, la seule éternité qui nous reste. Je regarde ces machines et je pense à un monde où chaque mémoire pourrait créer sa propre légende. » Ainsi, pour revenir à l'analogie de posture entre les ailes et les bras déployés, il y a une légende née d'une mémoire visuelle. Et ce genre de signe bien vivant qui respire dans un regard au cœur battant fait bien partie de la pensée formelle du film. Il dépasse le stade de la simple analogie pour fonder une structure visuelle transversale qui travaille en profondeur le film dans toute sa matière signifiante comme un filet aux mailles de plus en plus serrées. On peut en effet suivre les traces de cet oiseau aux limites même du visible. Car la figure de l'oiseau intervient aussi sur un mode plus secret, comme un intérieur incertain de la perception, presque une image subliminale, mi-vue, mi-rêvée,
dont on n'est même pas sûr qu'elles soient volontaires. Je pense ici à ces deux moments troublants du film, très proches l'un de l'autre, et s'enchaînant comme un battement d'ailes, juste après la séquence de la coupe du séquoia, où au cœur d'un fondu enchaîné très lent et particulièrement travaillé, prenant appui au départ sur l'homme allongé dans le hamac de l'obscur laboratoire souterrain dont le visage est couvert par ce large masque blanc, une forme d'oiseau virtuel aux ailes blanches déployées sur fond noir semble surgir, littéralement, comme par miracle, dans la matière même du fondu, pour s'enchaîner avec celle de la femme qu'on retrouve les yeux fermés, elle aussi dormant au soleil. Le fondu enchaîné, point de départ. Je vous montre les images rapidement, mais ça ne dure même pas une seconde dans le film. C'est très rapide. Je vous le remontre à l'envers, si j'ose dire. L'instant repasse. Cet oiseau, on pense à une mouette en vol, naît en fait de la forme blanche étirée du masque et du bord flou du hamac à l'arrière-plan, tous deux ajustés dans une forme de V par un cadrage très singulier qui les fait apparaître en un double trait blanc, ouvert comme une paire d'ailes. Le flou, le grain, l'étrangeté du cadrage contribuent à ce phénomène d'apparition, associé d'abord, première occurrence dans le premier mouvement du fondu, qui nous amène du jardin botanique et de la coupe de séquoia au laboratoire, à l'idée d'atterrissage, de retour au sol, de chute. La voix off nous dit à cet instant « il retombe, à bout de force ». C'est ce premier mouvement. Il retombe à bout de force. Et associé ensuite, dans la deuxième occurrence, c'est-à-dire dans le mouvement d'enchaîner, quelques secondes plus tard, pour repartir de l'homme vers le jardin, et retrouver le visage de la femme qui s'expose à la lumière, à l'idée cette fois-ci d'envol, de décollage, de soulèvement. La voix off nous dit à ce moment-là, une autre vague de temps le soulève. Et sur cette voix, vous avez le mouvement suivant. On part de là, image 1, 2, 3, 4. Une double apparition d'un même oiseau de rêve pour un double mouvement, une descente et une montée, de la lumière à l'ombre, puis de l'ombre à la lumière, d'un visage à l'autre, du passé au présent, etc. Et dans un double fondu enchaîné, une figure d'écriture proprement cinématographique, dont Marker use intensément tout au long de la jetée, où elle fait partie des procédures cinétiques visant à animer les images fixes, et dont on pourrait dire qu'elle fait elle-même en quelque sorte mouvement d'elle, une retombée et un envol, un fondu et un enchaîné, un aller et un retour, comme une vague qui se lance et se brise sur la jetée, une pulsation, un désir qui monte et qui retombe. Cette image interstitielle et figurale, cette espèce d'oiseau palimpsestique, on sait qu'il n'y a jamais eu d'oiseau réel photographié là, mais cette présence fantomatique nous hante, on ne peut s'empêcher de la voir dans le fondu une fois qu'on y pense. Cet aléatoire envolé d'une paire d'ailes assimilée à une vague de temps, fait système avec tout le reste et développe cette lecture en filigrane du film où d'autres matières formelles peuvent ainsi venir s'agréger sur le mode figural, révélant ce principe que le film est travaillé en lui-même par une puissante pensée des formes. Ainsi, par exemple, le hamac exerce-t-il d'une façon générale cette fonction de matière formelle imageante tout au long des images souterraines du film ? Visiblement, Marker a travaillé la visualité particulière qu'autorise cet objet, dont l'extension latérale et l'écartement, l'ampleur et la suspension, les effets de voilage triangulaire,
la dynamique de positionnement infiniment variable ne cesse de faire elle dans tous les fonds d'image où il apparaît, en une sorte de chorégraphie à la géométrie impressionniste. Les ailes blanchâtres du hamac planent et dansent dans nombre d'arrière-plans comme un esprit totémique et plastique qui traverserait toutes ces scènes. Cette figure en filigrane de l'oiseau qui plane dans les formes, après s'être exposée dans les motifs visuels, se relance encore avec l'un des autres événements majeurs du film, cette fois un événement qui révèle pleinement sa nature cinématographique. Je veux parler, bien sûr, du fameux plan en mouvement, le seul où quelque chose qui bouge, minimalement, nous soit donné à voir comme tel. Il s'agit du gros plan sur ce doux visage de femme couchée dans le lit, nue sous les draps, qui semble regarder la caméra et qui, à un moment donné, amenée par une longue et magnifique suite de fondus enchaînés de son visage, bat des yeux à plusieurs reprises. Voilà tout le mouvement du film, son noyau incandescent, d'autant plus intensif qu'il est réduit à ce simple clignement répété des yeux. Trois battements de paupières, c'est le seul mouvement de la jetée. Pendant ce plan de mouvement, un étonnant travail occupe la bande sonore. Partant du silence, celle-ci se remplit peu à peu de singuliers cris d'oiseaux, des piaillements innombrables qui vont croissant et dont l'intensité atteint une puissance assourdissante, précisément sur le dernier plan, et cette fois-ci on peut utiliser ce mot au sens premier, sur les battements de paupières qui sont tout entiers du cinéma. Le plan qui crie. Le cinéma comme ultime forme du désir, où le passé, figé mais fondu, s'actualise dans une vibration de plus en plus intensive et déchirante, où le clin d'œil assourdissant surgit naturellement comme terme d'un enchaînement aussi discret et secret qu'un mouvement d'oiseau virtuel. Sitôt le plan des clignements d'yeux achevé et les cris d'oiseaux retombés, on enchaîne avec le retour brutal au camp souterrain et à la salle des expériences, où dans la bande-son, un autre battement se fait entendre, plus sourd et plus inquiétant, qu'on a déjà souvent entendu dans le film et qui ici prend toute sa force. Il vient marteler nos oreilles de ses lancinants battements cardiaques amplifiés. Dans ces voyages de l'esprit, mené expérimentalement dans les labos souterrains, c'est le corps qui est au travail et c'est le cœur qui bat, violemment. Battement des ailes, battement des paupières, battement du temps et finalement battement du cœur. Tel est le trajet des formes, explicites ou implicites, qui tisse la trame figurale du film. Faire confiance aux images, les laisser aller et venir, monter et retomber, s'envoler et atterrir. À la surface des motifs ou dans la chair profonde de la matière signifiante, dans les va-et-vient de l'entre-image, ainsi la forme oiseau nous emmène-t-elle d'un battement à l'autre. Elle est la figure migratoire du film, sa matière baladeuse qui nous emporte et nous transporte et tombe dans les trous du temps. L'oiseau, une figure du battement, une forme migratoire, une instance de fond et de forme, une forme qui pense. Un envol brisé. La chute d'Icare dans les battements, un Icare qui a trop rêvé d'atteindre l'inaccessible, échappé au temps pour voler de ses propres ailes, hors du monde chronique des humains, dans le pur univers détaché aérien d'une mémoire libre. Icare moderne, sur une jetée d'aéroport, comment ne pas voir dans cette image de l'homme qui court puis tombe, un mouvement de décollage qui s'effondre sur lui-même, dans l'instant où son départ se révèle aussi son arrivée. Se souvenir que le plan qui, dans le prologue, enchaîne avec le visage de femme est un plan, le seul, d'avion en plein ciel, très graphique, comme un oiseau noir qui traverse l'écran blanc du ciel, aile ouverte, sans qu'on puisse dire évidemment s'il décolle ou atterrit. Comment ne pas voir là ce que finalement c'est, une image d'enfance qui se découvre comme une image de mort. Il comprit que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort.
Le dernier plan du film montre l'homme face contre terre, les bras en croix bien écartés, fondu au noir, définitif. Finalement, ce n'est pas la question de la mort comme écart, comme ouverture, qui fait ici office de figure de vertige. Si l'image d'enfance est moyennant ce quart de tour qu'est le basculement de point de vue, l'image de sa propre mort, c'est évidemment par retournement de ce qu'on considère comme le phénomène naturel inverse. C'est dans la mort, plus exactement dans l'instant de la mort, dans l'écart infinitésimal qui la constitue, c'est dans ce point du temps où on n'est plus vraiment en vie mais pas encore vraiment mort, c'est dans cet entre-deux suspendu entre ciel et souterrain que l'on remonte à l'enfance, ou plutôt que celle-ci vous revient, sur la jetée, comme une doublure fantomatique, comme une bouffée qui dure justement l'instant d'un battement. Si, comme on dit, dans l'instant de la mort, c'est la totalité de la vie qui défile sous nos yeux et dans nos têtes, alors voilà sans doute le fil mental qui fonde la jetée, voilà ce que le film littéralement incarne, tant dans sa thématique narrative que dans son dispositif visuel et sa matière d'image elle-même. À la lumière particulièrement éclairante à cet égard de la citation de Bergson fournie au début de ce texte, je vous rappelle, notre conscience nous dit que lorsque nous parlons de notre présent, c'est à un certain intervalle de durée que nous pensons. Quelle durée, impossible de la fixer, c'est quelque chose d'assez flottant qui peut se raccourcir ou s'allonger selon l'attention qu'on lui porte. Une attention qui serait infiniment extensible, tiendrait sous son regard en un présent continu une portion aussi grande qu'on voudra de durée, y inclut donc ce qu'on appelle notre passé. Une attention à la vie qui serait suffisamment puissante et suffisamment dégagée de tout intérêt pratique embrasserait ainsi dans un présent indivisé l'histoire passée tout entière de la personne consciente. On découvre donc que c'est bien une affaire de conscience qui fonde la structure narrative du film. Une conscience intensive, arrachée aux nécessités de l'action, exacerbée par la tension du dispositif, par la puissance soudaine d'une situation exceptionnelle, la violence de la scène qui le troubla, une conscience qui bascule comme un corps, écartelé entre une image de désir affichée, le visage de la femme au bout de la jetée, et l'image brouillée par la peur d'un inconscient mortel. Il comprit que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. Si l'intervalle temporel que représente le passage de la vie à la mort, ici, le temps intérieur de la chute d'un corps, précisément figé par l'arrêt photographique, mais décomposé dans la durée d'une série de variations. Si ce temps intensif s'avère un présent qui dure, c'est-à-dire un temps où le clivage entre passé et présent disparaît au profit d'un défilement intérieur qui actualise la totalité de la vie dans l'instant de la mort, alors ce moment, à la fois infime et infini, est bien une pure substance de temps. Mais ici, une substance de temps fait film, un film virtuel qu'on se projette dans la tête et un film réel où on se projette corps et âme. L'image d'enfance, en tant qu'elle est aussi image de mort, image mentale dans les deux cas, est ainsi une incarnation de la conscience comme mémoire instantanée d'un temps total. En ce sens, sa nature matérielle, dans le dispositif singulier du film, c'est-à-dire son statut hybride d'image, qui n'est ni simplement photographique, ni vraiment cinématographique, mais ce qui est ce que j'appelle un cinématogramme, cette nature ambivalente correspond exactement à cette donnée. La jetée, à la fois, nous raconte l'histoire d'un film mental qui tiendrait tout entier dans une photographie, et en même temps est ce film même, un cinématogramme de la conscience. Je vais m'arrêter là. Merci.
c'est ma collègue Thérèse qui est aussi de l'organisation de ce colloque qui va modérer parce que je dois sortir si ça c'est temps. Et alors, je donne la parole. Merci, M. Debois, pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux commencer. J'ai trouvé très illuminant l'approximation que vous avez fait. Et je parle en français parce que je ne sais pas si c'est un problème, j'espère que non. S'ils ne comprennent pas le français, je me demande ce qui s'est passé. C'est un peu confus pour moi de parler en anglais et puis en français. C'est mieux de rester en français. Votre approximation à la légende de l'Icaro, c'est très, j'ai trouvé très intéressant. J'avais pas pensé à ça. Et Icare, il est tombé à cause du désir de voler et le désir de d'être plus à nous. Et quand vous montrez les images de l'épilogue, on voit clairement la fille, l'homme qui court, et aussi il court vers la femme. Et alors il est peut-être par hasard, et il est mis entre l'homme qui peut-être voudrait, on peut, ça n'est pas expliqué, voudrait tuer la femme, mais il n'est pas là par hasard, et l'homme qui le tue lui parce qu'il le suit depuis les souterrains. Il a voyagé dans le temps comme le héros. Ce n'est pas la femme qui est visée par le tireur, si on veut ramener ça. À la mort comme un hasard. Alors aussi, je voudrais demander aussi un commentaire à ça que vous avez fait, mais dans ce film, c'est un film sur le cinéma et la pensée et la conscience du temps aussi. Je voudrais demander à propos de deux choses. Une chose, c'est quel est le rôle, parce qu'on a toujours une archéologie du cinéma en face du train. Et ici, on a l'avion. Je voudrais un commentaire à ça. Et aussi relationné avec le fait que Chris Marker a fait ce photoroman aussi comme le genre fiction scientifique. Quel est le rôle de ce genre dans ce film, et aussi par rapport à cette espèce d'archéologie du cinéma par rapport au train et à l'avion? C'était... Oui, alors ça, c'est un peu distant de ce que j'ai dit, mais oui. Bon, la question du train et de l'avion dans le rapport au cinéma est intéressante. Bon, d'abord, beaucoup d'historiens ont écrit là-dessus. C'est un grand thème de l'histoire du cinéma. On a toujours dit que le cinéma, qui est l'art du plan en mouvement, donc faire des images en bougeant, a donc toujours eu un rapport étroit avec les technologies du déplacement. Et comme il est né au XIXe siècle, la technologie du XIXe siècle qui incarnait cela, c'est le train. On le sait très bien que train et cinéma, c'est une thématique ancienne. Enfin, elle est à l'origine même du cinéma. Quand on invente les rails de travelling, c'est bon, quand on met la caméra sur un train, etc. Donc c'est un thème classique. La question de l'avion est venue comme le prolongement de cette idée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des développements de l'histoire du cinéma, les technologies du mouvement se sont développées autour, en particulier, du mouvement aérien, et donc de la capacité de filmer avec des caméras qui volent, bon, et pas seulement qui roulent. Donc cette amplification du mouvement, elle est corrélative. Dans les deux cas, il y a l'idée que le point de vue que le cinéma offre, le point de vue en mouvement, est quelque chose qui peut être soit simplement humain,
soit machinique, une machine terrestre, une machine extraterrestre, qui s'appelle la machine aérienne. Donc on a beaucoup fait de choses autour de ça, et aujourd'hui on en est à dire, aujourd'hui les mouvements que l'on peut créer au cinéma sont ceux du numérique, c'est-à-dire ils sont même plus aériens, ils sont même plus attachés à rien, le morphing permet des mouvements impossibles à tous égards. Donc, on a souvent évoqué parallèlement le point de vue, le mouvement d'image et les développements de la technologie. Pour revenir à Marker, ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres films que l'a jeté, Marker s'est montré très intéressé par le train. En particulier quand il s'est intéressé au cinétrain et au cinéaste soviétique Medvedkin, qui avait mis en place le cinétrain, qui était donc un train qui se déplaçait dans les campagnes soviétiques, qui permettait à la fois de tourner et de montrer. Le train comportait à la fois un studio, une salle de montage et une salle de projection qui permettait de faire ce déplacement. Et il a fait donc ce film sur Medvedkin. Il revient beaucoup sur l'expérience du cinétrain et il en fait un modèle, disons, du développement du cinéma à la grande époque soviétique. Donc en gros, dans des années 1920 jusqu'aux années 1950-60. C'est là qu'il parle le plus de cette question du train. Ici, évidemment, il n'en est pas question. Dans La Jetée, il n'y a pas de train. Il y a des avions. C'était la présence du vol qui vous avez parlé. Oui. Et de l'avion, en rapport avec le cinéma en tant que apparatus. Oui, bien sûr. Mais alors, il l'a aussi souligné dans d'autres films. Dans Le Fond de l'air est rouge, si vous vous souvenez bien de ce film de compilation, qui est un film très long, il y a plusieurs séquences très importantes autour des moyens de mobilisation technologique et en particulier justement les scènes de bombardement du Vietnam qui sont utilisées par le survol et le bombardement. Là, c'est l'association que Virilio a beaucoup développée entre le tir, l'arme et les moyens de transport et le cinéma, mettant ensemble cinéma, armement et technologie du déplacement. Bon, ce sont des choses qui sont déjà relativement connues. Mais je pense quand même qu'ici, bien sûr, on est dans l'après-Troisième Guerre mondiale, mais je ne suis pas sûr que ce soit le centre du film, cette question. Je la vois plus, moi, autour de la question... Enfin, le fantasme icarien me semble plus structurant dans ce film-ci, parce que c'est quand même un film narratif. Alors, science-fiction, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Marker était un cinéaste très soucieux des films de science-fiction. On sait que... Enfin, j'ai travaillé sur les notes qui sont conservées à la Cinémathèque royale de Belgique ou à la Cinémathèque qu'ils ont conservées toutes les fiches de visionnement des cinéastes qui demandaient à venir voir des films. On sait que Alain René, Chris Marker et Agnès Varda venaient toutes les semaines à Bruxelles pour voir des films, parce qu'à la Cinémathèque française, Henri Langlois ne voulait pas qu'ils voient des films. Donc à Bruxelles, c'était tout à fait possible et même encouragé. Et donc dans toutes ces fiches de vision, j'ai regardé les fiches de vision que Marker a remplies dans les mois qui ont précédé la réalisation de La Jetée, dont une partie a été financée par la Cinémathèque de Bruxelles. Et donc, il a demandé à visionner des dizaines de films, soit sur la guerre atomique, soit sur les voyages dans le temps. Et c'est assez intéressant. Bon, je n'ai pas le temps ici de développer, mais dans le numéro ici de Théorème, c'est un peu décrit. Il y a des films qui nourrissent sans doute assez fortement la thématique de La Jetée, mais pas un film en particulier. Je veux dire, c'est pas une adaptation d'un film ou une transposition. C'est une dizaine de films autour de la question de la Troisième Guerre mondiale et du fantôme The Day After, hein, bon, d'une part, et de l'autre, autour de cette idée de voyager dans le temps, donc qui repose toujours sur un principe en trois temps, si vous voulez. Premier temps, il faut que... le passé soit convoqué par un acte mental,
le souvenir en général. Bon. Deuxièmement, il faut la réincarnation du sujet dans ce passé, qui peut s'y réincarner soit dans le temps du passé, soit dans le temps du présent, versé dans le passé. Et troisièmement, il y a la tentative d'action sur ce passé par celui qui s'est réincarné dans le dit passé. Mais justement, c'est ce que Marker ne fera pas. Il ne va pas jouer sur ces trois phases classiques du cinéma, des scénarios sur le voyage dans le temps. Mais c'est intéressant de regarder les films qu'il a vus, et en particulier le film d'Alan Dwane, qui est très proche, dont le titre m'échappe, mais je sais qu'il est cité là. Alan Dwane, cinéaste américain des années 50. Si vous voulez la référence, je peux vous la donner de façon précise. Elle est ici. Alors, prenons votre concept de cinématographe de la conscience. Je voulais vous demander si vous arrivez à identifier ce concept dans d'autres gestes cinématographiques. Est-ce qu'il est unique à Chris Marker, d'une certaine façon? Et aussi, et est-ce que ce concept oblige toujours à un arrêt sur l'image? Ou est-ce qu'on peut le trouver dans d'autres dispositif cinématographique? Alors, bon, c'est un concept qui est plus né de ma lecture de La Jetée que fondé, disons, en pure théorie. Mais ce qui me semble caractériser ça, c'est qu'on pourrait le décrire formellement comme justement à la fois cette idée que c'est une image figée, fixe, qui fait plan, qui est un plan. Donc ça, formellement, on peut le trouver bien ailleurs que dans La Jetée. Il y a beaucoup de films. Un arrêt sur image au cinéma, c'est déjà ça. Bon, dans n'importe quel film, à partir du moment où on a un arrêt sur image, on a ce qu'on appelle un photogramme qui devient un plan. Si vous prenez, je ne sais pas, on parlait de cinéma soviétique, dans L'homme à la caméra de Vertov, vous avez sur le cheval qui galope, un arrêt sur image. Bon, nous sommes dans un cinématogramme au plan formel ou technique, si vous voulez. Mais ce qui est propre à Marker, c'est que ce dispositif technique est réinvesti narrativement, dans la diégèse elle-même, en termes de dédoublement du point de vue et en termes d'opération sur le temps narratif et sur le temps diégétique. C'est-à-dire que là, il y avait pour moi une dimension qui est particulière à ce film, et je n'en connais pas d'équivalent du même genre, aussi fort, entre le dispositif formel et, disons, un élément narratif du film, qui est de jouer simultanément à l'hybridité ou à l'ambiguïté du point de vue, du thème et du dispositif formel. C'est la convergence de ces trois choses qui donne à la notion de cinématogramme sa force particulière dans La Jetée. Si on veut aller chercher sur d'autres terrains, alors il faut sortir de ça. Mais il y en a quelques-uns. Par exemple, bon, j'avais fait un travail sur ça il y a quelque temps. Dans le cinéma classique, hollywoodien, on va dire, il y a relativement peu de séquences d'arrêt sur image. Relativement peu. J'avais fait une étude à un moment donné, j'en avais dénombré à peu près une centaine, mais c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'on pourrait imaginer. Et la plupart de ces moments, pour autant qu'on soit dans le cinéma de fiction, hein, c'est autre chose si on est dans du cinéma scientifique ou dans du cinéma documentaire, mais dans le cinéma de fiction, ces moments où on interrompt le défilement de la pellicule pour avoir affaire à un moment d'arrêt sur image narrativisé, c'est-à-dire intégré à la fiction, ils sont toujours l'objet d'un dédoublement de point de vue. Alors les exemples, il y en a plusieurs, je vous en cite quelques-uns. Dans Fritz Lang, vous avez deux films où cet usage de l'arrêt sur image est fréquent, c'est dans L'Ilium, le seul film français de Fritz Lang, 1934, et dans Fury, le premier film américain qu'il fait tout de suite après L'Ilium. Dans les deux cas, il s'agit de scènes de procès. Au cours de ce procès, on projette un document filmé
Et ce document filmé est l'objet d'arrêt sur image diégétique, c'est-à-dire le procureur dit arrêt sur image. On arrête sur image et on peut identifier un coupable. Ça, c'est l'apparence. Mais à chaque fois, Fritz Lang utilise ces moments d'arrêt sur image comme des fausses preuves. C'est-à-dire qu'il nous montre qu'on arrête l'image, ça apparaît comme une preuve, mais en fait, si on réfléchit un petit peu à la mise en scène, il s'avère que le film et cette image arrêtée ne peuvent pas correspondre à ce qui a été filmé préalablement dans la fiction. C'est un peu long à vous raconter, mais bon, c'est des moments de décalage du point de vue complet. Donc il y a un double discours qui se tient sur ces mêmes images. On peut les prendre au premier degré, mais si on les analyse un peu plus intensément, même dans le récit, un second degré vient dire le contraire du premier degré. Un autre exemple, c'est dans le film de Capra, comment ça s'appelle encore, avec le Père Noël et l'ange qui se jette, comment ? Oui, La vie est belle, c'est ça. Dans La vie est belle, où ce sont deux anges dans le ciel qui dialoguent et qui parlent d'un personnage incarné par James Stewart dans le film. Et quand ce sont les anges qui parlent, on peut faire un arrêt sur image sur le personnage, parce que la vie du personnage est vue par les gens dans le ciel comme un film. Alors on arrête. Ah, c'est Georges Bellet, il est gentil, il est ceci. Et puis, donc c'est la voix des anges, qui est une voix paranormale, si je puis dire, enfin par rapport à la vraisemblance, qui vient commenter le récit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, un arrêt sur image interrompt le son, et il est comblé par une voix off, ou par un dispositif narratif extérieur au niveau diégétique qui commente le premier, qui le situe, qui le dédouble en quelque sorte. Et cet effet de dédoublement produit par les arrêts sur image me semble une caractéristique générale du cinématographe, du cinématogramme. Voilà. Pour répondre un peu à votre question, dans d'autres cas de figure, donc d'arrêts sur image qui sont traités diégétiquement et narrativement, vous avez un dédoublement de point de vue qui s'opère. Mais ici, ça prend une dimension particulièrement forte. Je ne connais pas d'exemple plus remarquable que celui-ci. Voilà, je dirais ça comme ça. Bonjour. Je voudrais vous demander justement, quand vous avez commenté justement que chez Marker, c'est toujours plus tard l'incompris qu'il a vu L'amour d'un homme, et que ça arrive dans plusieurs films, donc c'est comme si l'image même, ou soit, je ne sais pas, la caméra, elle pouvait enregistrer la catastrophe, mais qui ça sera déchiffré plus tard. Voilà. Donc soit dans le soleil, soit dans les fonds de la rouge, dans 2084, hein, vous connaissez ça très bien, oui. Oui, c'est un grand principe. Bon, c'était un autre sujet que j'aurais voulu traiter, mais bon, finalement, j'ai fait celui-là. Mais c'est une sorte d'axiome du cinéma de Marker. Pour moi, Marker, ça tient en 4 ou 5 théorèmes, comme j'avais appelé ça. Et il y a ce théorème-là, c'est-à-dire, le présent n'est accessible que comme un passé vu à partir d'un futur. Si je veux décrire le présent, je ne peux pas le faire directement. Je dois imaginer un futur où ce présent est devenu du passé. Et là, je peux en parler. L'exemple, le modèle même, c'est 2084. Je ne sais pas si vous connaissez ce tout petit film de Chris Marker, peu connu. C'était une commande d'un syndicat français, la CGT, qui a demandé à Chris Marker de faire un film pour fêter les 100 ans de la CGT, les 100 ans de l'existence de ce syndicat. Marker a réfléchi un petit peu, faire un film d'hommage comme ça directement, non, ça ne l'intéresse pas trop, mais il a eu une idée, il a dit « D'accord, je vais vous faire un film sur les 100 ans de la CGT, mais en me situant encore 100 ans après. » Donc, c'était en 1984. Il n'a pas fait son film sur 1984, centenaire d'existence de la CGT. Il a fait un film appelé 2084, en se situant dans le futur, comme ici, comme dans la jetée. Nous sommes dans un temps X dans le futur. Mais dans ce futur, je peux parler du présent comme s'il était un passé. Et donc, dans 2084, on voit des recherchistes, des documentalistes qui sont dans les archives de la télévision, qui exhument des archives de 1984 et qui les étudient avec une hypothèse rose, une hypothèse noire et qui font
un état des lieux du présent, mais vu à partir du futur. Et donc le présent n'est qu'un passé. Et systématiquement dans Marker, vous avez des dispositifs de ce genre, parler en se mettant dans un autre temps pour que le présent soit lui-même autre chose que du présent et soit en l'occurrence du passé. Cette impossibilité de parler de présent. C'est surtout décaler le point de vue. Et ça, c'est fondamental, c'est parce que je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais prévu de faire ici, mais c'est dans la jetée, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on ne comprend véritablement la jetée, à mon sens, qu'à cette condition, hein, qu'à la condition d'examiner la posture énonciatrice dédoublée d'une position de temps qui est une projection, en quelque sorte, et qui permet... de traiter à partir de cette idée des archives du futur. Il parlait souvent de cette idée d'archives du futur. Il y a des choses. En revenant un peu à la question de la conscience, je suis pas sûr si c'est ça, mais vous proposez que c'est simultanément un film à propos de la conscience d'un sujet particulier et en même temps un essai à propos de la conscience, c'est ça? Non, okay. Pas exactement. Non, mais je comprends que ça n'ait pas pu être très clair, parce que c'était le dernier point que je voulais traiter. Mais justement, ce qui me semble intéressant, c'est que dans l'expérience du cinématogramme qu'offre la jetée, nous avons la possibilité de nous placer dans quelque chose qui n'est pas la conscience d'un sujet, qui serait le personnage, par exemple, du film, qui est dédoublé, enfant, adulte, et qui n'est pas non plus une conscience d'objet, c'est-à-dire l'enfant n'est qu'un objet dans ce film. Jamais nous sommes avec lui comme sujet. C'est ce que j'essaie de dire au début. Il y a l'enfant, c'est l'objet, le sujet, c'est l'homme qu'il devient plus tard. Mais la conscience n'est liée ni à l'un ni à l'autre. Et je pense que l'idée de conscience, elle est à situer avec le cinématogramme dans l'acte même de la perception des images, en dehors de toute instance subjective. Et donc la conscience en question, pour moi, c'est la conscience du temps, lui-même. Mais pour développer ça, il faudrait me laisser encore un quart d'heure que je vous lise les dernières pages du texte. Bon, mais enfin, c'est pas... Mais c'est ça qui est important, c'est que cette idée de conscience n'est pas attachée à ce qu'on appelle un sujet personnage, et même pas au sujet narrateur. Au sujet spectateur. Non, à aucun sujet. Au temps lui-même. Le temps comme conscience. C'est pourquoi vous avez et c'est l'entre-deux des deux postures qui sont dédoublées. C'est trouver en quelque sorte cette idée-là. Et il y a très peu de cinéastes qui ont développé, à mon avis, cette question-là, mais on peut la trouver chez d'autres, par exemple, dans certains films de Godard, elle est aussi au travail. Cette conscience du temps comme conscience hors relation sujet-objet, ni sujet ni objet. J'ai l'impression aussi qu'il y a dans ce film une réflexion quand même importante sur le rêve et le glissement entre la réalité et le rêve. Sure. Et deux petites choses ici au niveau de la technique de collage, du collage peut-être que Chris Marker emploie, notamment dans le Sans Soleil, peut-être qu'on voit de façon plus évidente dans le Sans Soleil sa technique du collage que dans celui-là, mais même là, je pense que c'est déjà à l'œuvre. Et j'ai trouvé très intéressant votre commentaire sur l'interstice en lien avec le fondu enchaîné et le fait d'avoir arrêté l'image sur le fondu enchaîné m'a fait penser à Sunwes, notamment dans ses films comme Le Criminel. Et je me demandais si Chris Marker avait eu une admiration particulière pour le cinéma de Sunwes. Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites. Sur le rapport Wells-Marker, je ne pense pas, mais je ne prétends pas savoir toutes les admirations de Marker. Je ne crois pas qu'il ait manifesté particulièrement d'intérêt, mais peut-être Amy sait ça mieux que moi,
Vous avez beaucoup fouillé. Les... Il cite en son œuvre le film de la rouge en certains moments. Ouais. Ça s'appelle, je ne me rappelle pas les noms du film de la rouge, mais c'est à propos de l'escorpion. Ah oui. C'est ça. C'est la seule citation directe que je trouve. Ouais. Donc, apparemment, il n'y a pas spécialement de traces dans les propos et écrits de Marker pour Wells. Donc, je ne sais pas, mais il connaissait Wells comme n'importe quel cinéphile passionné. Alors, sur la question des images de rêve, bien sûr, elles sont essentielles. Enfin, la question du statut de l'image mentale. Parce que je préfère parler d'image mentale que d'image de rêve. Dans La Jetée, il n'y a pas véritablement parlé, à proprement parler, de référence à la question onirique en tant que telle. Même les rêves sont inspirés, leurs rêves sont l'objet de... Oui, mais... Oui. Oui, mais ça renvoie plus globalement aux expériences du laboratoire souterrain, en tant que ces expériences travaillent sur les images mentales. Et beaucoup plus les souvenirs, les images de mémoire que les images oniriques. Mais je pense qu'au total, ça renvoie quand même à la même dimension d'une image mentale. C'est l'essentiel. Et par ailleurs, sur cette question du collage, ça, parce que je pense que ça a un lien, je ne sais pas ce que vous entendez exactement par le terme collage. Est-ce que ça a un rapport avec une certaine conception du montage de Chris Marker? C'est ça que vous appelez le collage. Oui, mais comme dans son sommeil, c'est très... Oui, c'est le raccord de souvenirs. C'est ça, le principe. Ça, c'est le... Le fait de joindre dans une espèce de flux continu des éléments, a priori, hétérogènes. Oui, bien sûr, mais c'est l'opération de montage par définition. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Sans Soleil, justement, il développe cette théorie. Et ici aussi, c'est une théorie du temps qui est très intéressante. Elle est aussi dans Si j'avais quatre dromadaires, extrêmement développée. C'est que, vous le savez, quand dans La Jetée, ils évoquent cette idée que les voyages dans le temps, se donner des rendez-vous et retrouver cette femme à différents moments de temps, se fait par les expériences, mais qu'il n'y a pas de continuité de l'un à l'autre. C'est-à-dire que ce sont des instants de temps qui ne sont pas inscrits dans une continuité. Et donc, il y a l'idée, la conception du temps qui est à l'œuvre, c'est tout un aspect qui figurait dans cette partie finale, c'est tout un aspect qui consiste à dire, en gros, que la pensée du temps qui travaille dans La Jetée, c'est un temps simultanéiste, qui n'est pas un temps chronologique. C'est-à-dire c'est un temps qui est fait d'instants mis juxtaposés les uns aux autres. Et ce temps-là, c'est le temps à la fois de fonctionnement de la mémoire et le temps de fonctionnement du montage. C'est-à-dire un temps de la juxtaposition des temps et non pas un temps de l'organisation continue des temps. Et par exemple, dans Si j'avais quatre dromadaires, il y a cette fameuse tirade qu'il développe. Je pense même que je l'avais là. Voilà, c'était des citations qui illustraient ça. C'était le début d'une période d'essai où il la retrouverait à des moments différents. Quelquefois, il la retrouve devant leur signe, elle l'accueille simplement, elle accepte comme un phénomène naturel les passages de ce visiteur. Maintenant, le tir est parfaitement ajusté. Projeté sur l'instant choisi, il peut y demeurer et s'émouvoir sans peine. Cette fois, il est près d'elle, il lui parle, elle l'accueille, sans étonnement. Ils sont sans souvenir, sans projet. Leur temps se construit simplement autour d'eux, avec pour seul repère le goût du moment qu'ils vivent ensemble et les signes sur les murs. Le temps s'enroule à nouveau, l'instant repasse. Est-ce le même jour? Il ne sait plus. Ils vont faire comme cela une infinité de temps d'attente. C'est-à-dire, c'est l'idée que ces instants ne sont pas inscrits dans un fil continu qu'on pourrait remonter ou descendre dans la construction. Et donc, dans « Si j'avais quatre dromadaires », il y a cette fameuse tirade où il dit « Il est 6 heures à New York, il est 6 heures à Singapour, il est 6 heures à Tel Aviv », en sachant que ce n'est pas le même 6 heures, mais ça n'a pas d'importance. Les fuseaux horaires sont en quelque sorte non inscrits dans une continuité. Et cette fragmentation et cette mise à plat d'une sorte de vision simultanéiste des moments, non inscrite dans une construction, est essentielle pour définir sa position et pour comprendre cette notion de raccord de souvenir, puisque, vous le savez, pour lui, un raccord de souvenir,
c'est une mise en rapport de deux choses, comme s'il n'y avait pas de temps autre que le souvenir pour les raccorder. L'exemple le plus récent que j'ai en tête, mais il y en avait dans Sans Soleil, mais c'est dans son exposition la dernière exposition de Chris Marker et toutes les photos Staring Back. Sur cette photo prise en mai 68 à Paris lors d'une manifestation, on voit des gens au balcon d'une façade d'immeuble dans Paris, la rue vidée de ses pavés et un petit arbre. Bon, petit arbre simplement. Et puis la même photo prise 20 ans ou 30 ans plus tard du même bâtiment. Toujours, c'est toujours un peu, c'est macadamisé là où c'était des pavés, pour être sûr qu'une nouvelle révolution ne reprenne pas les pavés. La façade de l'immeuble n'a pas changé, il a refait exactement le même cadrage, simplement, et il y a toujours deux personnes au balcon. La seule différence, c'est que l'arbre est devenu gros comme ça, alors qu'il était petit comme ça. Et il met les deux photos, il les monte, collage, vous diriez, montage, moi j'appellerais ça, il les monte, et c'est un raccord de souvenirs. C'est-à-dire, ça nous dit, rien n'a changé, l'arbre a grossi, mais on ne peut plus prendre les pavés. Bon. C'est ça le devenir de la révolution en 30 ans. L'idée de révolution de 68 est devenue cela. L'arbre est plus fort, mais il n'y a plus les pavés. Vous interprétez ça comme vous voulez. Mais la confrontation est là, et c'est le même cadrage, la même maison, le même lieu, à 30 ans d'intervalle, juxtaposé. Toujours cette idée, à la fois du montage, du collage, mais sans la ligne de temps. Il y a quelque chose qui est que la ligne de temps n'existe pas. La ligne n'est faite que d'instants qui durent, mais pas d'instants qui font une continuité. Ça reste fondamental pour comprendre. Des rapports entre cette technique que vous venez juste de décrire, du montage du temps, avec la musique contemporaine. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Là, j'ignore complètement ce qu'il pouvait y avoir entre Marker et la musique, disons, contemporaine sur les nombreuses années que Chris Marker a traversées. Bon. Une dernière question. Moi, j'ai une dernière question. Une question de dernière minute. Mm-hmm. C'est plutôt à propos, et c'est un peu hors sujet, dans le sens où ça se réfère aux images dont vous avez parlé, aux photographies. Oui. Vous avez parlé de cette juxtaposition entre deux images prises d'une façon analogue à deux moments temporels distincts. Et je voulais vous demander, vous avez beaucoup parlé du temps, c'est d'ailleurs très intéressant, mais je veux demander de l'articulation avec l'espace ou de façon différente avec le lieu, avec le temps, c'est-à-dire comment cette dimension temporelle différente qui est montée ensemble dans cette photographie, comment elle s'articule avec les changements dans l'espace et dans l'expérience de l'espace. C'est-à-dire, vous avez un peu, vous voyez, Oui, enfin, je ne sais pas très bien quoi vous répondre. Bon, oui, bien sûr, je me suis intéressé aux questions de temps, parce que la jetée est l'objet qui appelle ça. Les questions d'espace ont une importance chez Marker, qui quand même, c'est aussi un grand voyageur, et donc il a un rapport au lieu qu'il a traversé qui est fondamental. Je vous écris d'un pays lointain, et le début de Lettres de Sibérie, et témoigne bien là aussi. Moi je dirais que c'est pas l'espace comme tel qui me semble central, que l'idée des rapports entre les lieux comme l'idée des rapports entre les temps. C'est-à-dire... je pense que aussi bien sur la question de l'espace que sur la question du temps, c'est l'idée du décalage, l'idée du dédoublement, l'idée de la distance dans le rapport à une proximité qui fonde beaucoup de choses chez Marker. Le principe, c'est toujours
que Marker n'est jamais là où, il, où on croit qu'il est, et que donc nécessairement c'est toujours d'un autre lieu, comme c'est toujours d'un autre temps qu'il parle, ou qu'il nous fait signe, ou qu'il nous écrit dans Lettre de Sibérie. Mais c'est une constante, c'est-à-dire toujours au moins le dédoublement, pour ne pas parler de plus que double, plus que deux, dans le jeu. Mais, donc son rapport au lieu, pour moi, serait peut-être à comparer avec son rapport au temps. Pas un temps unitaire et continu qui unifie les choses, pas un lieu qui serait un lieu identitaire où les choses se feraient et seraient inscrites une fois pour toutes. Non, un lieu toujours autre, mais qui entretient avec les autres des liaisons étroites. Et je pense que cette idée, bon, encore une fois, c'était quand même son premier film, la première phrase du premier film de Chris Marker, c'est ça. « Je vous écris d'un pays lointain ». Ça peut dire beaucoup de choses sur cette question des lieux et de l'espace, me semble-t-il. Mais si j'avais quatre dromadaires aussi, comme vous savez, c'est un film qui est un montage de photographies qu'il a prises partout dans le monde au cours de ses voyages, avec un dialogue entre trois personnes. Et le principe même, c'est que les images se suivent justement en passant de New York à la Chine, de la Russie à Israël, et d'un endroit du monde à l'autre, elles s'enchaînent, et son jeu à lui, c'est de construire des liens qui ne sont pas des liens directs, qui sont des liens raccords de souvenirs, des liens mentaux, des liens de mémoire, des liens de ce type. J'avais la dernière citation que j'avais, je la lis peut-être pour conclure, comme ça vous allez voir. C'était ces lignes de Samura Koishi. Qui a dit que le temps vient à bout de toutes les blessures? Il vaudrait mieux dire que le temps vient à bout de tout sauf des blessures. Avec le temps, la plaie de la séparation perd ses bords réels. Avec le temps, le corps désiré ne sera bientôt plus, et si le corps désirant a déjà cessé d'être pour l'autre, ce qui demeure, c'est une plaie sans corps. Une plaie sans corps. Moi, je dirais que c'est peut-être tout ce qui nous reste de Chris Marker aujourd'hui. Voilà. Merci. C'est parti bien. Merci, Monsieur Deloire. Mais de rien. Je vous invite à être présent demain à 9h30 pour reprendre le travail. Merci pour votre présence.